Bonjour à toutes, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ce que j'ai gagné à la fête foraine de Rambouillet. Parce que du coup, ce week-end, donc là on est lundi 12 mai, samedi et dimanche, donc le 10 et le 11 mai, j'ai été à Rambouillet à la fête du Muguet. Et j'adore cette fête parce que le muguet, comme je sais pas si vous le savez, mais c'est ma fleur préférée. Voilà. Donc j'adore cette fête, j'y vais depuis que je suis née. Et bientôt, je vais avoir 26 ans dans une semaine. Donc j'ai trop hâte de le fêter avec mes copines et tout. Donc ça va être une super soirée, j'en suis sûre. Et sinon, bah voilà, j'aimerais vous présenter ce que j'ai gagné. Et comment je les ai gagnés? Je vais commencer par vous expliquer mon jeu fétiche que je suis accro. C'est qu'à chaque fête foraine, il faut que je joue dans des machines à sous. Hein, vous savez, les petites pièces où on met trois, il y en a trois, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Et hop, il y a des jetons, il y a des jetons, des plaques qui tombent. Bah moi j'adore, moi ça me fait... Bon bah là sauf que j'étais un peu énervée parce que j'avais mis 20 euros, donc c'était combien? 160 jetons. Et il y avait, j'avais dû mettre moins 100... ouais, 120 jetons et aucune plaque, mais vraiment aucune. Alors que ça avançait, il y avait quelques jetons qui... Enfin, il y avait quelques pièces qui tombaient mais rien. Alors que d'habitude, je mets 20 euros au bout de 10 pièces, 50 pièces. Enfin, j'ai énormément de plaques et tout. Et là, rien. Donc, je commençais à aller voir le gérant. Je lui ai dit, ouais, regardez, j'ai mis 20 euros. Il me reste pas beaucoup de pièces, 40 pièces. Comment je peux faire et tout. Donc, il m'en a descendu plein. Il m'en a donné et tout. Et au final, bah, je me suis ressortie avec 5000 points. Enfin, non. Non, excusez-moi, 4500 points. Donc c'était pas mal parce que du coup j'avais eu 0 et il me restait 40 pièces. Mais du coup très gentil, il m'en a fait descendre plein. En tout cas voilà, n'hésitez pas à la fête foraine si vous mettez quand même assez d'argent de dire bah voilà, moi je comprends pas pourquoi j'ai peu de points. Et ils vous font souvent un geste. Moi bah à chaque fois que je perds, moi c'était au tout début, à chaque fois que je perds, du coup je vais finir ma phrase, à chaque fois que je perds bah ils essayent de me faire gagner un petit peu. Et c'était vraiment la première fois, dans les premières fois que je jouais, moi je savais pas que bah, je perds. Et c'est la fille de la machine, Assou, qui me dit oui, non, mais non, je vais vous en donner parce que c'est pas normal que vous mettiez 20 euros et que vous avez rien. Donc ça, je trouve ça trop cool. Donc je vais vous présenter tous mes trucs. Alors, hop, oui. Que ça tombe pas, et tout ne tombe pas. Donc le premier, j'ai enlevé de sa petite machine. Donc, je vais essayer, hop, de vous le remontrer correctement. Donc c'est comme ça. Hop, c'est un Sudoku. Un Sudoku électronique que en rose, parce que j'adore le rose, que je n'arrive pas à faire marcher. Normalement, bah il y a les piles, parce que j'ai enlevé la petite étiquette, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Donc là, j'ai encore la boîte, hein. C'était 1500 points. Et moi, du coup, je voulais un coussin de Disney. De Disney que franchement j'aimais beaucoup et tout, et elle m'a dit bah non, c'est 15 000 points le coussin. Pff, moi je fais putain, c'est super cher quoi. Et après du coup je disais oh, donc elle me présentait des trucs, je suis non, moi c'est vraiment Disney, j'adore Disney et tout. Et du coup elle m'a dit bah si vous voulez, j'ai des mugs, des tasses Disney. Enfin, un mini. J'ai fait, ah oui, sans souci. Moi, j'adore Disney. Donc, tout ce que vous me donnerez de Disney, bah, je le prends. Donc, elle m'a présenté ce petit mug. Hop, c'est dans la boîte. Donc, je sais pas si vous voyez là, 2500 points.
Alors, j'ouvre et c'est marqué cacao, cacao mug. Et c'est marqué tasse cacao. Et vous voyez la tasse, je la trouve trop mignonne. Vraiment trop mignonne. Elle est trop belle. Donc, dès qu'elle me l'a présentée, j'ai fait oh, waouh, mais j'adore! Oh là là, j'adore! Et tout. Et bah, elle était tellement morte de rire et tout. Donc, j'aurais pu. Déjà, moi, je trouvais ça bien. Bon, bah, 20 euros, un mug Disney. Hop, un mug Disney et le sudoku électronique. Mais non, elle a été trop gentille. Elle m'a offert une deuxième tasse. La même. Du coup. J'ai deux tasses. Et moi, je suis trop contente parce que, hop, 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 quand je serai chez moi, bah, si j'en casse une, eh ben, il y en aura toujours une de dispo. Donc ça, c'était le vendredi soir. À minuit, j'ai joué, donc c'était le samedi matin. Et non, bon, allez, assez trêve de plaisanterie. Je vais vous parler de ma journée du 11, donc d'hier. Donc ça s'est très bien passé, j'ai joué, du coup j'ai vu des gros cœurs, enfin j'ai vu des gros cœurs à des ficelles à tirer, et je trouvais qu'ils étaient assez petits et tout, moi je me fais ouais, pff, non, je vais voir un autre parce que j'en avais vu des gros et des beaux, je me dis bon bah allez, je vais aller à l'autre, et là je vois, ils sont super beaux, ils étaient en hauteur, donc je dis ah ils sont gros et tout, c'est super. C'est génial. Donc je vais voir la fille, je dis oui, excusez-moi, faut que je joue combien de ficelles pour avoir la grosse peluche. Donc elle me dit, bah pff, mettez 10 euros, mettez 20 euros, voilà quoi. Donc je fais, bon bah tant pis, je pars pour 20 euros. Donc 20 euros, je lui donne. Hop, je tire 7 ficelles, que des petites. Et elle m'a dit, pour avoir la grosse, une grosse, faut tirer 10 petites. Donc je fais, ok. Et je me dis, moi j'étais fixée sur le cœur de Disney. Et la fille en fait elle comprenait rien de ce que je lui disais, j'avais l'impression, parce que je lui dis oui bah maintenant j'ai tiré 7 petites, j'ai pas le droit au cœur qu'il y a là-haut. Elle me fait non non non, et je lui dis ouais si je reprends 10 euros, donc 10 euros ça faisait 4 ficelles et ou 3 ficelles ouais 3. Et du coup elle me dit bah si vous reprenez 3 ficelles, encore 3 petites, donc ça faisait 7, 8, 9, 10, hein, ça faisait 10. Hein. Et bah vous avez une grosse peluche parmi, me montrait, mais pas les gros cœurs qui étaient derrière moi. Je me dis, non mais je lui dis, non mais vous comprenez pas, moi je veux celles qui sont là et tout. J'avais l'impression qu'elle voulait pas les donner, enfin les vendre. Et donc elle me dit, bon bah du coup elle m'avait donné 20 euros, elle m'a dit, ah oui ce que j'ai oublié de vous dire c'est que je fais la vente des peluches, moi je les vends 35 euros. J'ai dit ok bah moi je vous donne 15 euros et j'ai la peluche. Pff, je vais pas me faire chier à tirer les ficelles, hop je l'achète parce que je suis même pas sûre de gagner. Donc elle me fait ok. Et voilà du coup j'ai eu le coussin quand même à 35 euros. Mais je suis pas déçue parce que en fait le cœur il est énorme. Le coussin est énorme. Mon lit c'est une personne non. Donc c'est 90 cm. Et il fait pratiquement la largeur de mon lit. Donc 90 cm en largeur. Donc, je vais vous le présenter tout de suite, il est juste à côté de moi. Hop. Alors vous voyez déjà les grosses têtes de Mickey et Minnie. Vous voyez, il rentre même pas dans le cadre. C'est tellement qu'il est gros. Hop, je vous montre. Tac, tac, tac. Là vous avez une petite ficelle. Mais du coup... Hein. Si vous le suspendez qu'avec ça. Et derrière, c'est rouge. C'est rouge là. Et c'est rose, rose fuchsia ici, avec des cœurs. Moi, c'était vraiment les cœurs qui me plaisaient. Et le regard. Hein. Le regard de Mimi à Mickey. C'est trop mignon, c'est trop love. Et là, regardez, les petites mains et tout. Tout est en peluche. Donc bah voilà, moi j'adore. Moi je suis fan. En plus il est tout doux et il est super rembourré. Donc voilà, c'est un gros coussin qui vaut quand même ses 35 euros parce que d'une c'est Disney. Et de deux, bah il est super doux, super bien.
Parce que moi, j'avais un de mes ex qui m'avait offert un cœur. Parce que je voulais un cœur en plus pour une Saint-Valentin. Et du coup, il me l'a offert et ça coûtait quand même 40 euros le cœur. Donc plus cher. Et je vais vous montrer la dimension. Donc c'était un cœur comme ça. Je t'aime gros comme ça. Vous voyez, il est assez gros. Hop, mais quand même, il rentre dans le cadre. Vous voyez, je me mets loin, il rentre dans le cadre. Donc les deux là, je vais essayer de les superposer. Oh là là. Vous voyez déjà. Ça n'a rien à voir, hein. Donc bah voilà, moi du coup en fait sur le coup je fais oh là là 35 euros un coussin à la fête foraine c'est cher quoi. Et finalement bah quand j'ai fait le recul avec ce coussin là qui est trois fois plus petit, bah 35 euros c'est rien. Mais voilà. Et du coup bah j'en ai eu pour 20 euros d'un côté, 35 euros de l'autre, pour 55 euros, voilà ce que j'ai eu. Bah voilà, bah en espérant que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout aussi à vous abonner. C'est gratuit. Pourquoi s'en priver? Bah merci beaucoup de me suivre. Au revoir.